Le tribunal Sidi Mohamed d'Alger a rendu ce mercredi matin son verdict dans le procès de l'homme d'affaires Mahiddine Tahkout. Plusieurs anciens ministres et autres hauts responsables, dont Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellel, sont impliqués dans l'affaire. Les principales mises en cause, Mahiddine Tahkout a écopé d'une peine de 16 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Trois membres de sa famille, en l'occurrence Rachid, Hamid et son fils Bilal, ont été condamnés à 7 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Nasser Tahkout, quant à lui, a écopé d'une peine de 3 ans de prison assortie d'une amende de 8 millions de dinars. En outre, le tribunal de Sidi Mohamed a condamné les sociétés du groupe Tahkout à une amende de 32 millions de dinars chacune, avec exclusion des marchés publics pour une période de 5 ans, saisie de tous les biens et de tous les comptes et fonds déposés auprès des banques. Les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellel, accusés d'octroi d'indu, avantage ou principal accusé du procès Mahiddine Tahkout, ont écopé de 10 ans de prison ferme chacun. Le tribunal a également acquitté Ouyahia et Sellel dans l'accusation de corruption. L'ancien ministre de l'Industrie a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 300 000 dinars. Et l'ancien ministre Amar Roul a une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 300 000 dinars. Le tribunal l'a en outre acquitté dans l'accusation d'octroi indu avantage. Le tribunal Sidi Mohamed a annoncé aussi la peine de 20 ans de prison ferme contre l'ancien ministre Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l'étranger, avec un mandat d'arrêt international. L'ancien PDG de l'établissement de transport urbain et suburbain d'Alger et Tuzza, Abdelkader Ben Miloud, a écopé quant à lui d'une peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars. L'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zalane, a été acquitté de toutes les accusations portées à son encontre.